Je n'ai jamais pu oublier cette nuit-là, où je suis tombé pour la première fois sur cette horreur. Imaginez-vous donc, vous avez la vingtaine, vous vivez seul avec votre chat, dans un petit meublé. Et vous vous êtes endormi dans votre canapé devant la télévision. Vers les 2-3 heures du matin, d'un coup vous êtes sorti de votre sommeil, par des bruits écœurants. Des sons de personnes qui mangent bruyamment, comme des cochons. Des bruits de bouche, de dents déchirant les chairs. Une véritable horreur. Vous émergez alors tant bien que mal. Et là, vos yeux embrumés se posent sur l'écran de votre télévision. Vous y apercevez une horreur. Des créatures étranges, sans peau, se régalant d'organes et de chair posées sur une table. Elles se font un véritable festin de roi. Une image écœurante qui suit finalement tellement bien avec ses bruitages dégoûtants. D'abord endormi, vous vous réveillez petit à petit, en vous demandant si vous l'êtes vraiment tant ce spectacle devant vos yeux semble irréel. Et puis vous réalisez que c'est bien un programme de télévision auquel vous êtes spectateur. Directement alors vous vous posez la question de l'intérêt d'un pareil programme, si ce n'est celui de vous donner l'envie de vomir. Et puis vous songez aussi au fait qu'il faut être sérieusement touché pour créer une pareille émission. Mais le plus dingue, c'est qu'elle était programmée sur une chaîne pour enfants. Cartoon Network. J'ai de suite pensé que ça devait être une erreur de programmation, que cette émission, si zarbi et dégueu qu'elle était, devait être prévue pour Ciné Frisson. Et après être bien resté 5 minutes à regarder ce spectacle peu ragoûtant, j'ai fini par aller me coucher. J'avoue avoir eu beaucoup de mal à m'endormir ce soir-là, et avoir fait beaucoup de charmants cauchemars. Mais finalement, j'étais surtout pressé d'être au lendemain, car il fallait que je vérifie si cette horreur était bien programmée chaque soir. C'est donc vers 1h du matin que j'ai zappé sur Cartoon Network et que je me suis tapé quelques dessins animés insipides. Quand vers 2h10 du matin, sans qu'il y ait un générique, ce programme réapparut. Le nom de cette horreur, Beautiful Organ. Je ne voyais vraiment pas ce que l'on pouvait trouver de beautiful là-dedans. Mais bon, même si c'était horrible, je restais comme captivé par ces créatures, dévorant de la chair, de la barbaque. C'était si écœurant. Je restais plusieurs nuits comme ça, à contempler ce programme, qui finalement nous montrait toujours les mêmes scènes. Il a fallu attendre une bonne semaine pour enfin voir une variante. Un des monstres s'est alors adressé aux spectateurs, dont moi, et il a dit quelque chose de très étrange. J'avoue que je n'ai rien compris. Ça voulait strictement rien dire. Mais comme j'avais enregistré cet épisode sur une cassette VHS, avec l'aide d'un vieux magnétoscope, j'ai pu la repasser cette phrase, jusqu'à comprendre qu'il parlait à l'envers. Et du coup, quand j'ai réessayé, dans le bon sens, sa phrase avait tout de suite plus de sens. Mais elle est très effrayante. Ça disait... J'ai envie de manger un chat. Écœuré, j'ai coupé directement ce soir-là pour aller me coucher. Mais cette phrase m'a obsédé toute la journée du lendemain. Et rentrant, mon chat avait disparu. Plus moyen de le retrouver. J'ai eu beau tout retourner, il n'y avait plus aucune trace de lui. J'étais terrifié à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vers 2h26, devant la télé, je l'ai retrouvé. Enfin, un morceau de lui. La tête, le buste, dans l'émission Beautiful Organ. Les créatures étaient en train de dévorer le reste. J'ai hurlé avant d'éteindre ce programme, complètement paniqué. Le lendemain, après une courte nuit, j'appelais le service client de Cartoon Network, qui me stipulait qu'aucun programme de ce genre n'était planifié sur une chaîne dite pour enfants. Et du soir, je pouvais le constater. Plus de Beautiful Organ. J'aurais pu perdre complètement le peu de raison qui me restait à cet instant. Mais après avoir passé plusieurs nuits à vérifier l'absence de cette horreur télévisuelle, j'ai préféré oublier. Il a fallu plus de 15 ans avant de retrouver les traces de celle-ci. En regardant YouTube, section Creepypasta, bon nombre de personnes en parlaient. Je n'avais donc pas rêvé.
cette émission existait bel et bien. J'ai commencé à chercher de plus amples renseignements sur cette dernière. J'ai fini par savoir que le réalisateur avait prévu une saison 2, qu'il n'avait jamais terminée. Il a été retrouvé mort, à moitié dévoré. À côté de lui, il y avait un mot. Je n'ai pas pu finir la deuxième saison. Les bêtes sont en colère. Je dois vous avouer que j'étais finalement, d'une certaine manière, rassuré de ne pas être le seul à avoir vu cette horreur. Mais ça me faisait flipper quand même. Surtout qu'à présent, je suis papa d'un enfant dont j'ai la garde une semaine sur deux. Et si lui aussi tombait à son tour sur cette horreur, comment réagirait-il? Mais il est un fait que j'avais oublié surtout. C'est cet enregistrement, finalement, que j'avais fait sur VHS. J'avais tellement voulu oublier ce cauchemar que j'avais fait abstraction de cette dernière. Et du coup, après avoir retourné le grenier, j'ai retrouvé la cassette. Là, c'est bizarre, mais je m'apprête à la mettre en route. Je me demande si cette horreur y sera encore sur la bande. Voyons ça. J'avoue que ça me fait bizarre. C'est comme si je revenais une quinzaine d'années en arrière. C'est... Voilà. Oh mon Dieu. Quelle horreur. C'est encore plus dégueulasse que ça. Ça fait encore plus d'effet que lorsque j'étais jeune homme. C'est écœurant. Oh, mon Dieu. Tiens, la créature dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Enfonnage, l'homme du village. Qu'est-ce qu'elle raconte encore une fois? Oh mon Dieu, ne me dites pas que... Je vais repasser à l'endroit. Non, ne me dites pas ça. Surtout pas, je... J'ai envie de manger un enfant. Non, ça va pas recommencer. Oh non, merde, c'est pas le moment. Merde, c'est pas le moment, je... Oui, qui c'est Alain? Qui est à l'appareil? Allô? Bonjour, monsieur Clarty. Je suis l'inspecteur de police d'Anford. Je vous appelle au sujet de votre fils, Chris. Il a disparu. Votre ex-compagne est venue faire la déclaration aujourd'hui. Elle n'osait pas vous appeler, alors je... Attendez. Non, attendez, une petite minute. Je vous reprends tout de suite. Non, c'est pas vrai, ils ont pas fait ça. Non, c'est pas possible. Non. Je vais rembobiner cette putain de saloperie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la tête de mon fils. Non.